à une forte demande de mes abonnés, donc le titre de Maître Gim, c'est Sia, je te pardonne. On regarde tout de suite ce titre très simple. Alors, j'ai pris une guitare donc acoustique, électro-acoustique. Hein. Bon, celle-ci, c'est une guitare montée nylon. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un capodastre à la sixième case. 1, 3, 4, 5, sixième case. Alors, on va découper ce titre en trois parties. En fait, c'est deux parties, vous allez voir, mais bon, on va dire trois parties. Donc, une intro, et le couplet, et le refrain. Hein. Donc, on y va tout de suite pour l'intro. Donc, on va prendre une position de la mineure pour l'intro. On va faire... mineur, je vous l'affiche. On va faire ça, le pouce, l'index, puis les deux cordes du bas, on refait l'index. Regarde ce que fait la main droite exactement. Et bien sûr, ce mode de fonctionnement de la main droite, on va le faire en fait tout le long du morceau. Hein. Donc, pour l'intro, on va donc avoir, comme je vous l'ai dit, le La mineur. Puis on va lâcher le La mineur pour faire uniquement la basse sur la sixième corde, la grosse corde là. Tout le reste à vide, toujours index. Et puis on va faire le Fa que je vous affiche, mais en balayant. Refait. Deux fois. Ça, c'est l'intro. Ouais, le couplet, c'est pour ça que je disais il y a trois parties, mais en fait il y en a deux, parce que le couplet, c'est les mêmes accords que l'intro. Sauf que, au lieu de balayer le Fa, on va faire comme pour l'autre. On peut le faire sur quatre cordes, ça sera plus simple pour vous. D'accord ? Donc on va faire. Alors si vous voulez faire le barré, premier accord, c'est un La mineur. On relâche l'index, refait. Et on vient le mettre ici sur la deuxième, vous voyez, sur la corde de La, à la deuxième case, pour faire cet accord de Sol. Donc sur le Sol d'habitude, on met que le petit doigt, vous rajoutez un doigt au-dessus, hein, cette position de Sol. Je refais. Puis ensuite la position de Do deux fois. Ensuite on va enchaîner le Ré mineur. Puis à nouveau le La mineur. Pour terminer sur le Sol. Première position, c'est-à-dire juste la basse à la troisième case sur la corde de Mi grave. Hein, je vous enchaîne. Maintenant,
pour que vous voyez bien, on va faire une petite version in context.